De l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo. Je vous invite à partager le commandant détachement, le commissaire supérieur adjoint, Pombo Mandela. Merci Prince Mopoy. L'accueil cérémonial est terminé. Modeste Bahati Lukubo est en train de monter les marche-pieds pour prendre ensuite l'ascenseur. Il va faire son entrée dans quelques instants ici dans la salle de plénière du Sénat et il va procéder à l'ouverture solennelle de cette session budgétaire de septembre, comme le prévoit la Constitution. Tout le monde est là. La session de mars a connu des moments assez particulière. Vous avez là le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui est donc parmi les invités de cette cérémonie officielle d'ouverture de la session de septembre. Le président de l'Assemblée nationale, on l'a vu par moment, Bosso Kodiapanga, on l'a vu par moment, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabund, qui lui aussi a répondu à l'invitation à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session de septembre au Sénat. Dans quelques instants, il va y avoir le début de cette cérémonie, bien sûr, et dans l'heure qui suit, ce sera la chambre basse la chambre basse du Parlement, à l'Assemblée nationale, donc, que la cérémonie va aussi avoir lieu. Ce sera pratiquement le même protocolaire. Les différentes personnalités ici présentes seront également à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la session de septembre. Ici, et dans quelques instants, que le président Modeste Bahati Lukubo, sénateur, va faire son entrée ici, dans la salle de plénière du Sénat, où je vous rappelle cette chambre haute du Parlement compte 9 sénateurs. Et on nous dira combien sont présents aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le quorum est atteint. Les services du protocole donnera l'information au président du Sénat qui communiquera à la plénière, mais en même temps à travers la radio-télévision nationale congolaise, à toute la communauté nationale, combien de sénateurs sont présents pour cette cérémonie d'ouverture de la session de septembre. L'assistance va s'élever pour saluer l'entrée de Modeste Bahati Lukubo, président du Sénat, qui va donc, dans quelques instants, procéder à l'ouverture de cette session. Comme je vous l'ai dit, c'est une session qui sera très riche en événements. En plus du budget qui va être examiné, il va y avoir beaucoup de questions politiques à traiter.
l'environnement politique, mais aussi économique, qui rappelle plusieurs événements qui nécessitent l'intervention de la Chambre de Sages, les lois qui sont en attente. Nous allons suivre donc la cérémonie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. Trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2001, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités dans le hall de la question où aura également lieu la séance des salutations. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans le hall juste devant l'entrée de la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. La séance est ouverte. Honorable Président
de l'Assemblée nationale et chers collègues. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales. Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat, cette plénière solennelle de ce mercredi 15 septembre 2021 est consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Ceci qui va constituer notre seul point à l'ordre du jour. Mais avant toute chose, permettez-moi de remercier chaleureusement tous nos invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Sénat. La présence de chacun et de chacune d'entre vous dans cet hémicycle témoigne d'une marque de considération et de respect envers notre Chambre. Soyez donc tous les bienvenus. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, après de brèves vacances parlementaires interrompues par la nécessité de la convocation de la session extraordinaire du 19 juillet 2021, ayant eu pour objet l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, lequel projet a été exceptionnellement voté 4 fois par visioconférence au cours de cette même session extraordinaire, nous voici de nouveau réunis sans répit pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021, essentiellement budgétaire, afin de doter le pays de ses moyens de fonctionnement pour l'exercice 2022. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de saluer la mémoire de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le doyen Antoine Gabriel Kiungwa Kumanza, à la même occasion de saluer la mémoire de nos vaillants soldats
tombés au front, de nos compatriotes victimes de la pandémie à coronavirus et des victimes des atrocités dans l'est du pays. À cet effet, je vous prie respectueusement de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. Que nos âmes reposent en paix. Honorables sénateurs, chers collègues, avant de m'étendre sur les activités proprement dites de notre Chambre, je voudrais vous rappeler par un survol la situation de l'état de la nation actuelle de notre pays. Le contexte dans lequel s'ouvre cette session exige des parlementaires beaucoup de dextérité dans l'analyse des questions essentielles de la survie de la démocratie qui constituent des sujets d'actualité dans notre pays. Ceci est d'autant indispensable que cette ouverture de la session ordinaire coïncide avec la Journée internationale de la démocratie célébrée dans le monde entier le 15 septembre de chaque année, où chaque pays est invité à faire un état des lieux sur l'évolution de la démocratie en interne. Ainsi, la démocratie dans le microcosme politique congolais se caractérise par les débats et autres échanges d'idées souvent houleux qui se focalise actuellement autour de diverses questions, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, la mégestion quasi généralisée dans les entreprises et services publics telles que révélées par l'Inspection générale des finances, la situation post-éruption du volcan Nyiragongo à Goma, la situation sociale des Congolais, les diverses revendications de la masse laborieuse dans tous les secteurs de la vie nationale. À propos de la situation sécuritaire, celle-ci demeure préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. L'instauration de l'état de siège dans les dites provinces a pour finalité de ramener la paix dans cette partie du territoire national. C'est ainsi que des actions conjointes et concertées sont menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la police nationale congolaise, en vue de combattre toutes ces forces négatives opérant dans l'est du pays. Voilà pourquoi je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action telle que promis lors de sa campagne électorale afin de ramener la paix dans l'est du pays. Le récent séjour de son Excellence Monsieur le Président de la République dans l'est lui a permis de toucher du doigt les réalités et de développer une diplomatie agissante auprès des pays amis dans le domaine de la coopération militaire. Je salue la bravoure et le sens du devoir, ainsi que l'esprit de sacrifice qui anime les éléments de nos forces armées qui sont à pied d'œuvre dans les opérations déclenchées dans l'est de notre pays. Je saisis en outre cette opportunité pour saluer les initiatives du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette insécurité. S'agissant de la problématique de la CENI qui fait couler encre et salive et divise la classe politique et la société civile en ceux, y compris les professeurs religieuses,
J'appelle tous les acteurs politiques et sociaux à transcender leurs divergences et à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation afin d'éviter de retarder le processus électoral attendu fin 2023. Honorables sénateurs et chers collègues, le constat fait état de ce que notre gouvernement fournit des efforts notables pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de nos concitoyens en soutenant les secteurs sociaux attachés à la production alimentaire. La gratuité de l'enseignement, l'assainissement des finances publiques, la dotation de 145 territoires de budget d'investissement, la sécurité sociale et les soins de santé, la relance de tout, on est ensemble et déterminé pour éradiquer ces phénomènes. Je parle même sur instruction de Bonja Moka, à Pessim Instruction qui est au Landa Mamakombentina Souka. Fly243.com est la première agence de voyage en ligne africaine offrant une gamme complète de services. Chez Fly243.com, nous donnons à chaque voyageur le pouvoir de prendre la meilleure décision lorsqu'il s'agit de réserver des services de voyage. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme des grignotages en sous-solo. Demandez-moi quoi ? Je regarde la télévision avec les box CPLA TV. Je dis bien CPLA TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box CPLA TV. Juste votre connexion internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de CPLA TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. CPLA TV. CPLA TV is very nice. Sikoyo yo osa bebi samboka yango pona nini hein yebisanga pona nini nyemboke bongate lingamboka nayo beti oza mwana tango kola ompra lokola bino mikolo bolingi ko bongisa mboko te biso bana tukubongisa yango. Fly243.com est la première agence de voyage en ligne africaine offrant une gamme complète de services. Chez Fly243.com, nous donnons à chaque voyageur le pouvoir de prendre la meilleure décision lorsqu'il s'agit de réserver des services de voyage abordables. Nous proposons donc à nos clients un portail de réservation unique pour les vols, hôtels et forfaits vacances à des prix abordables. Fly243.com, au service du voyageur. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de Johnny Mage. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. Johnny Mage, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est un macamboune. Boutique est là, Johnny Mage, Bilili. Johnny Mage, le meilleur. Nous bénissons Dieu, Johnny Mage, c'est...
C'était hier. Quant à la situation sociale des agents et fonctionnaires de l'État, y compris les enseignants, les magistrats, les professeurs des universités, les médecins, les paramédicaux, les militaires et les policiers, elle demeure toujours préoccupante et appelle des solutions. Pour y arriver, j'estime que le gouvernement devrait s'exercer pour mettre en place une politique salariale nationale qui tiendrait compte des réalités contextuelles de notre société tout en veillant à une juste redistribution de la richesse que génère notre économie. De leur côté, j'invite les sénateurs, mes chers collègues, à faire montre de beaucoup de rationalité dans le vote et l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2022 afin de contribuer à l'accroissement des recettes de l'État et de rompre définitivement avec la mauvaise affectation des ressources. En ce qui concerne la recherche scientifique, il est plus opportun que le gouvernement dote le centre de recherche de moyens financiers conséquents pour encourager les chercheurs dans leurs domaines respectifs. Honorables sénateurs et chers collègues, s'agissant de la couverture sanitaire, celle-ci se révèle précaire à cause notamment du délabrement et de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et des difficultés d'approvisionnement en médicaments. D'où l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de s'atteler pour la réalisation du projet de la S'agissant du vaccin contre la COVID-19, la poursuite de la campagne de vaccination mérite d'être soutenue, d'autant plus qu'elle permet de contenir la progression de la pandémie. À cet effet, j'encourage le gouvernement de la République à intensifier la sensibilisation de proximité de la population à accepter la vaccination. Je salue les efforts de nos pharmaciens qui, avec des moyens de bord, sont parvenus à mettre sur le marché des produits qui combattent cette pandémie. J'ai cité le Manacovid et le Dubase C. J'exhorte les médecins à prescrire ces médicaments dans leur thérapie pour soulager tant soit peu la souffrance de nos concitoyens. S'agissant de la pollution des rivières Chicapa et Kasai, j'invite le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour l'endiguer et protéger nos populations d'une part et à mettre en place une équipe d'experts afin d'analyser les conséquences humaines et écologiques pour engager des pourparlers avec la République sœur d'Angola et établir les responsabilités en vue d'obtenir réparation en vertu du principe international pollueur-payeur d'autre part. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de saluer le travail de Titan qu'est en train d'abattre l'Inspection générale des finances pour combattre la mégestion et la corruption qui gangrènent les entreprises, les établissements et les services publics de l'État et finalement amenuise sensiblement les recettes publiques. Aussi, je salue les mesures conservatoires prises par le gouvernement qui a encouragé les ministres sectoriels à écarter les animateurs des entreprises, établissements et services publics auteurs de cette mauvaise gouvernance afin de préserver ce qu'il reste encore de ces entreprises publiques. En outre, il faudrait que le pouvoir judiciaire accompagne et soutienne ce travail de l'Inspection générale des finances pour que reste du seul côté, que la force reste du seul côté de la loi. Honorables sénateurs et chers collègues, le travail qu'entreprend l'IGF actuellement nous convainc qu'avec la prise de conscience
Il y a de l'espoir que les recettes publiques de l'État connaissent davantage un accroissement. Avec cet élan, il y a lieu d'espérer que cette fois-ci, le gouvernement ait les moyens de sa politique pour la relance de l'économie du pays et qu'un projet de loi de finances réaliste pour l'exercice 2022 soit élaboré. Aussi convient-il de rappeler, au terme des dispositions de l'article 83 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, que le gouvernement observe strictement l'application de dites dispositions, surtout en ce qui concerne le respect du délai de dépôt de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 et de la loi de finances pour l'exercice 2022. Honorables sénateurs et chers collègues, d'après Jean-Pierre Raffarin, dans la préface du livre de Philippe Peugeot, la diplomatie parlementaire, je cite, « sans dialogue, il n'y a pas de paix. Sans conciliation des intérêts respectifs des États, il ne peut y avoir de diplomatie. Sans la prise en compte des intérêts des peuples, il ne peut y avoir de vie internationale durable. Cette pensée nous enseigne que nous devons nous rendre compte que notre monde contemporain, aux mutations rapides et complexes, demande une plus grande prise en compte des légitimes aspirations des peuples et de leur territoire, ce qui est le socle de la diplomatie parlementaire. C'est dans cette optique que j'ai accordé des audiences aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales. Aussi, nous venons de participer à la 5e conférence mondiale des présidents des parlements du monde pour justement aborder toutes les questions liées à la pandémie et à la période de post-pandémie COVID-19, mais également d'examiner la reprise de l'économie sur le plan mondial. Honorables sénateurs et chers collègues, en ce qui concerne nos provinces, il faut constater que la faiblesse dans la mobilisation des ressources est due au fait au défaut et à l'absence d'activités économiques créatrices de richesses, au manque d'infrastructures de base, à la pauvreté ainsi qu'aux crises politiques récurrentes, notamment entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, qui minent le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Je saisis enfin cette occasion pour rappeler avec insistance la nécessité pour le gouvernement de faciliter l'application de la retenue progressive de 40% des recettes au profit des provinces, ainsi que l'activation de la Caisse nationale de péréquation pour que chaque institution provinciale joue réellement son rôle en toute responsabilité. Honorables sénateurs et chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour sera laborieuse. Outre l'examen du budget, nous aurons également à examiner d'autres matières au regard des circonstances du moment en sus de nos arriérés législatifs. Ainsi, je vous invite à plus d'assiduité et de promptitude dans l'exercice de vos tâches respectives tout en vous souhaitant une excellente session. Pour terminer mon propos, je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Sur ce,
je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2021 et je vous remercie. Du Sénat. La séance est levée. Tous les éléments essentiels de la politique nationale, il a parlé. Il est passé de la pollution des eaux de Tchikapa en passant par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une minute de silence a été observée au tout début de cette session, rappelant ainsi les vaillants soldats de la République démocratique du Congo, pour certains qui sont tombés au front sur le champ d'honneur, mais aussi les personnalités ou les personnes congolaises qui ont été fauchées par la COVID-19. Tout cela a imposé une minute de silence, mais aussi la mort du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kungwa Kumanza, et tout ça. Le président du Sénat l'a évoqué dans son discours, appelant ainsi le gouvernement de la République à plus d'actions en faveur de la population, conseillant le gouvernement de la République à prendre des dispositions pour donner des solutions à tous les problèmes qui oblitèrent l'épanouissement de la population congolaise. Là, le président du Sénat est en train de saluer ses invités. Il a parlé de la diplomatie parlementaire, évoquant les relations entre les États, citant Jean-Pierre Raffarin qui préfaçait un livre certainement sur la diplomatie parlementaire, sur la diplomatie parlementaire ou sur la diplomatie en général, où il rappelle qu'il faudrait bien que les intérêts des nations soient conciliés pour qu'il existe une diplomatie. Voilà donc, dans l'entretemps, Mami Mambouini et Feza Kalombola nous ont rejoints en quelques lignes, en Lingala. Mami Mambouini, qu'est-ce qui s'est passé ici au Sénat à cette ouverture de cette session de septembre? Matongo mingi ya dichalan, sala lelo mokolo monene bakeli miboko ofuma ya bolekisi sanza esato ya kobopemi lelo nde bazongeli nzela ya mosala ebongo mokambi ya sena mwana mboka Modeste bati lokobo na lisukulu ya ye atanisi makambo ya motoya alobi ete na bozungi bwa bango bakotala makambo maike yango mpenza bazwaki na ntango moke ya bokanisi molimo ya Kondo Gabriel Kiongo wa kumwanza wa silaka bongo kwa wabongo alobela kipe mambi matali mingi penzambo ya buzangi bokengi mambi matali maponomi mambi matali bongo kuzanga kwa kamba malamu kule kakabongo na makumpanya ya leta ibisi yeti mkati ya buzungi ye mbula matali yekolo ekosala manso ampe ya busuki si makambomana mambi matali poma ya mazali weleko ya etat de siège bakuta na pe makambo manso mema ekosala makuna uetuka ya itori lokola mpe na narkivu solo moko malela yango ekokani penza ete moko molongo mobimba bazali kokundula moko mwa pesa na tina na demokrasi mpe ya bikolo biso bya molongo na yango bikolo kongo demokratiki pe kuta na mambi matali demokrasi lolenge ezali koleka au kati kolo ya biso kati na mango bakuta na makambo maike wezali ikambo litali ebikeli ya bana banso ya ekolo kongo demokratiki pe kotombola nkita ya ekolo kongo démocratique. Merci mingi Mami Mambouini, ni kusema kama tunapatikana hapa kwa baraza la wazee mahali ambapo kilele cha kurudi kwa wana seneti ambao waliweza kupumzika muda wa miezi mitatu ndio leo tarehe 15 Septemba mwaka huu tunayo wanaweza kurudilia kazi kama desturi chini ya uongozi wa presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo. Aliweza kufanya hotuba yake ya kusemea mambo mbalimbali, aliweza kusemea kuhusu hali ya kukubaliwa kwa mpango wa kanuni za kuongeza etat de siège katika majimbo Ituri na Kivu ya kaskazini, na katika hotuba yake pia alisemea kuhusu tu COVID-19 na namna gani raia wanapasha kupata chanjo kwa kuweza kuchanjwa kwa kuepuka ugonjwa huo wa COVID-19. Aliweza kusemea pia kuhusu dakika moja ya kumkumbuka presidenti wa baraza la jimbo
uchungu wa kumwanza aliyeweza kuacha dunia siku zilizopita, pia kasemea mambo kaza na kaza, na kaomba kwa sasa kwa raia kuweza kutumika mkono mkononi, pia kwa wakuu viongozi wote ya mahali ambapo waliweza kupatikana hapa kupale dipepe hapa zaidi kwenye baraza la wazee, ndio kabisa waliweza kusemea katika mambo mbalimbali na kuona kama ni wakati ya kurudi kwa wanaseneti kazini, ndio waliweza kukomesha kazi hiyo hapa. Toi qui l'as fait, t'as longola motion de mon ami Mambweni, ben on va ne pas se demander quoi y a en bombo. Toi qui y a un pinjé de bilou que tu bats, tu te mets en fond car ben tu attends lui à Mouyou qui est vif là. Merci donc amis téléspectateurs, dans quelques instants, il va intervenir la rentrée parlementaire cette fois à la chambre basse du Parlement, à l'Assemblée nationale. Le président Mbosso Kodiaponga était ici et dans 2-3 minutes, nous allons rendre l'antenne un moment en attendant que les choses se mettent en place à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. C'est la TV et yena makambu ya sikali zuzu. O ba chaîne ya France ezala kati. Ba chaîne ya Congo ezala kati. Ba chaîne ya Londres ezala kati. O ngomo na makambu ya politique ya sika. O parti AA ezala kati. O parti BB. O CFAIO ezala kati. Il y a Sepela TV. Bouquet comme il y a Mouké Boy. Ou tiens, poche, voyager dans Moukéno partout au Lingui. Na Bouquet, il y a Sepela TV. Sepela TV. Mais ma bise, on est en train de me faire.